Christelle ici, promotrice de la marque Les Beignets Bassi et Grand Prix Pierre Castel 2021 Côte d'Ivoire. Mon aventure avec les beignets Bassi commence en 2017 et lors d'une formation avec l'IECD en agrotransformation. Je me suis rendu compte qu'il y avait une demande sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes cherchaient à savoir où avoir des beignets, où avoir des jaunes, des bouffelotos, des tra-tra. Les lieux de vente étaient vraiment rares. Et encore, le peu de lieux de vente qu'on retrouvait, on avait beaucoup de problèmes d'hygiène. Donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre sur le marché un produit qui permettrait aux mamans, sinon aux familles, de consommer des beignets de façon saine. Je suis allée voir la chambre de l'agriculture et avec la boutique paysanne, on a lancé les premiers spécimens. On a participé à la foire du Made in Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a fait les premières dégustations. Et Dieu merci, le produit a été accepté par les personnes qui étaient présentes. Les beignets Bassi sont très faciles à faire. Il suffit juste de rajouter la quantité d'eau qui est inscrite sur les paquets, bien mélanger, couvrir et attendre 30 minutes avant de les frire avec l'huile de votre choix. Alors quand on a commencé, nous sommes partis d'abord sur ces quatre produits que sont le bofloto, le tra-tra, le jaune et le beignet au sucre. Il y a 2 mois, nous avons mis sur le marché le gnomi, qui est fait à base de céréales locales, telles que le riz et le mil. Et il est bon de signifier que nos matières premières sont sélectionnées. Pour Bassi, le fait de travailler avec ces femmes en coopérative constitue pour nous une contribution à l'autonomisation de la femme. D'abord, nous avons commencé d'abord par vendre sur Internet. On s'est rendu compte que l'audience était bonne. Beaucoup de personnes demandaient toujours de nos beignets au fur et à mesure. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas aller en grande distribution? Nous distribuons aujourd'hui avec Prosuma sur toute l'étendue du territoire, Yamoussoukro, Boaké, San Pedro, Daloa et aussi avec Carrefour, Yopougon, Marcory, Palmerie. Voilà. Et on a d'autres enseignes aussi qui distribuent nos produits. J'ai cru en ce projet. Je crois au fonds Pierre Castel. Grâce à l'apport financier du prix Pierre Castel, nous allons accroître notre capacité de production, étendre notre réseau de distribution local et international et agrandir notre gamme de produits Bassi. Je remercie le fonds Pierre Castel, je remercie Solibra qui nous a fait confiance et grâce à ce prix, les farines Bassi iront de l'avant.